De retour dans C'est à vous, toujours en compagnie de Grand Corps Malade, qui a un très très bel appétit ce soir, et Afsia Herzi qui nous a rejoint. Salut bonsoir. Et bonsoir Afsia Herzi. Bienvenue. Vous êtes à l'affiche d'un film très fort, L'amour des hommes, dont on va parler tout à l'heure. Mais d'abord, pour expliquer à Fabien ce qu'il vient d'avaler, le chef Olivier Chaput va nous présenter son plat. Plat qui a disparu de quasiment toutes les assiettes le mais temps oui, de la pub. J'ai mangé le plus vite possible pour que personne ne le voit. Mais... Donc un bonbon. Donc j'ai fait un bonbon croustillant de rouget et de foie gras avec une petite mousseline de panais, voilà, acidulée au citron vert et galanga. Et puis la petite sauce, pareil, calamansi dessus. Et je suis très content de vous avoir régalé parce que je me suis régalé à vous faire à manger. Donc, j'ai bien aimé la on vous demande de pas si c'est bon puisque vous êtes tous en train de dévorer ça. Très bon. Marion ? Oui, vous le disiez tout à l'heure, Ali, c'est un album, de nouvel album de Grand Corps Malade qui est parfois politique. La preuve avec ce titre, Patrick, rien à voir avec Patrick Bruel pour les gens de ma génération. Et Patrick Cohen ? Puisqu'il, ni Patrick Cohen, pas non encore, plus, malheureusement. Si j'ai mis les pieds à Levallois, parfois. Voilà, puisqu'il s'agit du maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany. On regarde un extrait du clip. Patrick, Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick. Personne ne les entend. Patrick, Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand. Et... Bravo. Je crois que ça a été tourné, voilà, ça a été tourné en début de mois. On voit qu'il commençait à neiger et vous chantez sur ce titre, un peu à la manière de Brassens. Mmh. Ça vous arrive souvent comme ça d'aller poser votre guitare dans une ville pour chanter très souvent que quand le maire m'inspire une admiration sans borne comme ça. Oui. Alors justement, ce maire n'a pas tardé à réagir. Il a déclaré à France Info, là aussi en trois temps, c'est un artiste, il dit ce qu'il veut, premier temps. Avant d'ajouter, ça commence bien. Ça commence plutôt bien. Avant d'ajouter, en revanche, c'est curieux, quand il est venu chanter engagé par le service culturel de la mairie, là, il n'a pas chanté contre le père, il a pris son cachet et il a dit merci. Alors, je confirme. Je confirme même que dans la fin de la chanson, je dis à nouveau, si tu m'invites, je vais revenir. Oui. Et je vais reprendre mon cachet. Au moins, pour une fois, on saura où va l'argent. Et la troisième est la chute. Patrick de Balkany. Les Levalloisiens, je vais y arriver, ils connaissent leur mère. Ils l'élisent depuis 35 ans. Alors, ce que peut penser ce monsieur Grand Corps Malade, ça m'est complètement égal. Et justement, notre journaliste, Camille Ballan, est allée à la rencontre des Levalloisiens. C'était ce matin. Génial. Patrick, Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick. Elle est très bien, votre chanson. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas de nouvelles de Patrick. Je trouve ça toujours drôle, les propos ironiques. Je ne connaissais pas beaucoup son œuvre, franchement. Mais celle-là, je l'adopte number one de Grand Corps Malade. Si ce n'était pas sur notre mère, je dirais que c'est très bien vu. Mais c'est sur notre mère, malgré tout. Alors donc, c'est bien nous qui l'avons mis où il est. On n'avait pas peur d'avoir une baisse des impôts, quoi. À cause de vous. Voilà, ça les fait plutôt rire. Mais les réactions quand on est allé tourner le clip étaient plutôt de cet ordre-là. Et voilà, ils applaudissaient de loin, ils ne voulaient pas être filmés. On a filmé aussi dans un café, dans une brasserie, qui nous ont laissé filmer, qui ont signé les autorisations. Et après, quand ils ont entendu la chanson, ils ont dit, s'il vous plaît, enlevez les images, on veut pas de problème. Ouais. Donc ils ont peur, on a enlevé les images, on veut surtout pas causer de problème aux gens. Parce que de toute façon, il y a toujours l'envie d'en rire. Il y a des moments où on l'a entendu avec Pierre, des musiques rythment de plus en plus vos chansons, ouais, vos albums. C'est un album très rythmé, ouais. Ouais. Plus que d'habitude, et puis il y a encore les textes. C'est vrai que certains de vos textes sont aujourd'hui des outils pédagogiques. On les donne à étudier à des élèves en classe pour les familiariser avec la poésie. Ouais, j'ai eu beaucoup de retours depuis pas mal d'années, aussi y compris au bac français. J'étais très honoré. En même temps, ça me faisait peur. J'avais un peu peur que les élèves aient des mauvaises notes à cause de moi. Ouais. Tu te souviens toute ta vie que tu as eu 7 au bac français. Donc, mais en tout cas, oui, c'est un honneur. Et je sais que les profs de français aiment le slam, s'en servent, et notamment avec mes textes. Quand on a fait une chanson qui s'appelle Éducation nationale, pardon, et qui est vénérée et célébrée dans beaucoup d'écoles et par beaucoup d'enseignants, c'est un peu normal, non? Ouais, c'était pas très élogieux de l'Éducation nationale. À l'époque, c'était Monsieur Darcos, le ministre. C'était critique, mais c'était élogieux pour les profs. Ouais, bah les profs,
Ah ouais, moi j'ai une grande admiration, c'est un métier d'une noblesse infinie, je trouve qu'ils sont, ils sont pas assez payés, ils sont souvent critiqués, voilà, moi j'ai une admiration pour eux. Alors il y a l'album, il y a les chansons, et puis il y a aussi ce qui vous attend dans 10 jours, je ne sais pas si vous y pensez, si vous commencez déjà à flipper. J'ai pas trop le temps, j'avoue. C'est vrai, Pierre, c'est un film patient. Oui, c'est patient qui a fait un succès public, 1 200 000 entrées, un succès critique, et puis il y a 4 nominations au César, c'est ce à quoi fait allusion Ali. Mais on est honoré quand on a eu les 4 nominations, notamment dans Meilleur Film, ça évidemment. Meilleur Film, Meilleur Premier Film. Meilleur Espoir Masculin pour Pablo Coelho. Meilleure Adaptation. Meilleure Adaptation pour le scénario. Bien sûr, on est flatté, on est honoré, on a fêté ça tous ensemble, parce que c'est évidemment surtout un travail d'équipe. Et après, c'est vrai que voilà. Ah, vous avez déjà préparé votre discours. Oui, merci. Celui-là, c'est un travail facile. D'équipe. Celui-là, on l'a fait dans toute la promo, le travail d'équipe. Le discours, il est rodé. En tout cas, c'est votre histoire quand vous êtes dans le centre de rééducation, que ce film que vous avez tourné, Pablo Paoli, pour ce rôle, a été nominé meilleur espoir masculin, et on comprend pourquoi. Ça passe. Ça va, vas-y, respire. Ça tourne, là. Ça va aller mieux. Respire. Mais tourne, ça va pas du tout. Respire. Voilà. Respire. Ça va mieux, là. Ah ouais, ça c'est, voilà. T'es prêt? Je vais redresser un petit peu. Voilà. Attends. Ça suffit, non? Un peu. Ça va. Voilà, là. Ouais. Ça. C'est bon, comme ça, t'es bien? Voilà. T'es en fauteuil? Bon, je te montre comment ça marche. Ouais. Attends. Ok. Doucement. Là, t'as la batterie, le klaxon si jamais tu veux doubler un couleur sur l'autoroute. Et la manette, ouais, gauche, droite, avant, arrière, c'est bon? Ouais, je l'ai. Et on se souvient encore quand vous étiez venus tous les deux, vous et lui, présenter ce film sur le plateau. Afsia, vous avez connu, vous, le stress des Césars, mais c'était il y a longtemps, il y a 10 ans, 2008. Meilleur espoir féminin, vous étiez dans la salle, vous défendiez La Graine et Le Mulet, le film d'Abdelatif Kechiche. C'est un bon souvenir ? Très bon souvenir, mais bon, j'ai pas l'impression. Vous rafraîchir la mémoire, regardez. Ah non ! Comme ça, vas-y. Horrible. Le César du meilleur espoir féminin est attribué à Afsia Ersi. Je voudrais remercier Anne Frémio, directrice de casting, de m'avoir appelée pour venir passer le casting de La Graine et le Mulet. Abdel Kechiche, de m'avoir fait confiance. Mes parents, je partage ce César avec eux. Merci pour tout. Je rêve, non, peut-être. J'en train de rêver, peut-être. Merci. Ah, c'est bien. Pourquoi Bravo. Est-ce que vous rougissez? C'est magnifique. Je sais pas, ça me gêne. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? L'émotion? L'émotion, ouais. Et pourtant, c'était quand même un moment extrêmement fort. C'était un rôle formidable. Et vous avez un conseil à donner à Fabien pour se préparer? C'est très stressant. Ouais. Un conseil, non. Vous avez préparé quelque chose ou pas? Non, en plus, on sait pas, quoi. On sait vraiment le jour ouais, même. Oui, c'est le problème. Il y a plein de caméramans qui prononcent d'autres noms, donc c'est vraiment... Bon, non, mais ça c'est le passé. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche, Afsiane, un film très fort, un film vraiment important, L'amour des hommes de Mehdi Benatia. On en regarde la bande-annonce. Je vais faire des portraits d'hommes. J'ai envie que ce soit un peu érotique. C'est génial, là. Une femme qui fait ça à Tunis, c'est du jamais vu, là. Tu m'entends? Moi, je ne suis pas un ennemi de l'art et de la liberté. Marabdan, je m'en souviens. Azbek. Halek. Les gens, tout le monde parle. On ne te le voit plus, hein. Vous n'allez pas être jaloux, quand même. Imagine, Humber Jolaya. Je ne peux plus me passer de toi. Un portrait, c'est de saisir l'âme du monde. Blablabla. La vérité, c'est que tu aimes les hommes, c'est tout. Vous devez être fier de porter ce film, parce que c'est un film qui parle de la liberté en Tunisie, du vent de liberté qui est là-bas depuis quelques années, et puis qui raconte aussi la liberté d'une jeune femme qui est photographe et qui essaye de s'émanciper. Il y a tout ça. Oui, et c'est ce qui m'a plu
dans le scénario et le projet. C'est en premier ce beau portrait de femme libre. Une femme libre, une femme photographe qui se photographie. Alors, elle ne prend pas des selfies, elle fait de vrais autoportraits. Et elle se photographie sous la forme de toutes les femmes qu'elle pourrait être. Ouais. Femme voilée, policière, danseuse. Elle a un bouleversement dans sa vie. Et là, elle décide de photographier des hommes. Voilà. Mais... Et les hommes, pas n'importe comment. Voilà. Elle décide de faire des photos érotiques, en fait, une exposition de photos d'hommes. Mais pas n'importe quels hommes. Des amateurs, donc des hommes de la rue en Tunisie. Oui. Voilà, c'est un casting un peu particulier et du coup, il va se passer certaines choses. Cette scène, regardez, on l'a vu, c'est pas évident, j'imagine, de mettre à l'aise des artistes, des acteurs masculins qui n'ont pas forcément l'habitude d'être regardés comme des femmes. Oui, bah, surtout que c'était pour la plupart des non-acteurs. Du coup, c'est vrai que bon, moi, j'ai préféré ne pas trop les rencontrer en amont pour vraiment les découvrir pendant la scène et les regarder vraiment avec un regard neutre. Et ça s'est bien passé. Ça a été, ouais. Ouais, on le sent de toute façon. Il y a un élan de nature, d'improvisation parfois dans certaines scènes. Oui, notamment dans les scènes de pause, à ma demande, en fait. Voilà, j'ai demandé au metteur en scène de ne pas trop les répéter, justement, pour qu'il y ait une magie. Elle y est. Et cette forme de liberté, Marion ? Oui, on vous a vu dénuder dans plusieurs rôles avant celui-ci. Hein. Je pense à La Polonide, par exemple, ou à Sex Dolls. Et là, comme le disait Ali, ce sont les garçons que vous dénudez. Cette inversion des rôles, est-ce qu'elle vous a fait du bien ? Oui, et c'est ce qui m'a plu dans le projet, justement. Quand j'ai lu, je me suis dit, tiens... je pense qu'il n'y a pas un film comme ça où justement les rôles sont inversés, où c'est la femme qui regarde l'homme. Où les regards sont inversés. Voilà, où les regards sont inversés en fait. C'est-à-dire que vous êtes, vous, l'objet de tous les regards, quand même. Vous avez cette nature sensuelle, mais ce sont eux les objets du désir. Voilà. Donc je me suis dit, c'est bien, on va inverser ça pour une fois. Et ça, c'est vrai que c'est très nouveau, c'est très rare dans un film. Et vous dégagez aussi, ce que je disais, cette sensualité, mais quelque chose de très affranchi des regards. Je ne sais pas si c'est votre nature ou si c'est le rôle, votre rôle, mais en tout cas, c'est ce qui imprègne ce film. Et on le recommande chaleureusement. Pierre, vous avez été marqué, alors on ne va pas spoiler le film. Non, non, mais sans spoiler rien du tout, effectivement, tu as raison. C'est que parce qu'il veut parler de la fin du film. Cette inversion insensée est tellement forte, presque violente, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, et c'est très bien mis en scène, fait que votre silence, votre visage, votre jeu... dans le long plan final, prend d'autant plus de force et c'est magnifique. C'est assez frappant ce film, je le disais, il témoigne de ce qu'est la Tunisie aujourd'hui. Vous y étiez avec Emmanuel Macron en visite officielle ? Pas du tout, j'étais invitée. Non, mais c'est une légende parce qu'on a vu des articles de presse. Vrai, ouais. On m'a invitée, mais j'ai pas pu. Mon emploi du temps... Il ne nous l'a pas permis. Donc vous avez phasé, comme on dit, le président de la République. Bravo. C'est ça, une femme libre et qui ne s'en laisse pas un peu. Ils m'ont beaucoup appelé en plus. Hein. Ils ont plusieurs messages et tout. Ils ont insisté, mais je ne pouvais pas. Non. En tout cas, ce qui est sûr, pour le coup, c'est que vous serez à l'affiche aussi du prochain film d'Abdelatif Kechiche, Mektoub My Love, qu'on a très envie de voir et qui sortira le 21 mars prochain sur les écrans. On va passer au live. Oui, Grand Corps Malade. C'est maintenant et c'est quelque chose d'assez fort, c'est l'heure du live.